coupable parce qu'on est juif, hier coupable parce qu'on est nègre, aujourd'hui coupable parce qu'on est rome ou figré, et encore on peut facilement cumuler encore aujourd'hui. Comment dire ? Entre le Maurice Papon qui organisait des voyages de Bordeaux à Auschwitz en 1942 et le Maurice Papon qui organisait la noyade des Algériens dans la Somme en 1961, nous chantons comme une continuité. Et de la même manière, entre Papa Le Pen, qui savait comment on tire les vers du nez des Arabes en 1957, et tous les enfants de Le Pen, qui servent dans la marine ou place Beauvau, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose, tous ceux qui savent comment on envoie la vague pour nettoyer les quartiers, comment on peut casser les caravanes pour mettre des familles à la rue, là aussi nous sentons comme une continuité. La continuité de l'injustice, du racisme, des discriminations. Et nous, nous trouvons que ça ne sent pas bon. Nous trouvons que ça ne sent pas bon, pas seulement pour eux, mais aussi pour nous. Nous trouvons qu'on étouffe dans la France de la droite populaire, dans la France de Portefeuille, de Besson, de Guéant. Nous trouvons que la politique de la peur, la politique du pilori, la politique de la main tendue à l'extrême droite, c'est dangereux pour tout le monde. Tout simplement parce que, vous le savez comme moi, quand on stigmatise les uns, on touche à nos droits tous. Quand on fait la chasse aux faciès dans les cités, jusque dans des transformateurs d'EDF, rappelez-vous, qui se voient, jusque dans des rallyes qui se terminent mal, à Villiers-le-Bel, jusque dans les allées simples de l'école à l'aéroport en passant par le centre de rétention, c'est nous tous. On finit par surveiller, par ficher, par suivre à la trace, les caméras relevées d'ADN. Et c'est nous tous qu'on habitue à vivre dans une sorte de zoo, pour oublier sans doute que la jungle est là aussi et à qui elle profite peut-être. C'est nous tous qu'on habitue à filer doux, à ne pas poser de questions, à ne pas protester, à subir, et à vivre chaque jour sous le regard de Big Brother, enfin disons de Minority Report, pour être un peu moins ancien dans la référence, sous ce prétexte merveilleux que les gens honnêtes n'ont rien à cacher, notamment à la police. Alors voilà, basta, de l'air, c'était l'idée de ce soir. Ce soir qui est le 63e anniversaire de la DUDH. C'est ce que nous voulions partager. Assez de censure, assez de flicage, assez de stigmatisation. Et comme nos amis de Zebrock, grâce auxquels on va pouvoir entendre la musique ce soir, partagent un peu ce ras-le-bol, cette envie joyeuse, de liberté, de confiance dans autre chose, dans un autre avenir, et ils nous ont aidés à le dire de manière un peu créative. Il y a longtemps, je le rappelais tout à l'heure dans le débat qu'on a eu, grâce à l'Observatoire de la liberté de création, il y a longtemps, ça doit faire 13 ans, le Comité central de la Ligue des droits de l'homme a accueilli NTM, le groupe NTM, parce que déjà à l'époque, un ministre de l'Intérieur voulait les empêcher de se produire, il voulait faire interdire leur spectacle. Et nous disons souvent que la Ligue est une vieille dame, hein, elle a plus de 100 ans, mais ce jour-là, la vieille dame était assez fière de les recevoir chez elle. Et depuis ce temps-là, personne n'a vraiment réussi à les faire taire, alors qu'où est-elle ? Voilà, alors aujourd'hui, grâce à beaucoup d'énergie, temps créative, à Zebrock, que j'ai cité à l'instant, grâce à tous ceux qu'on va écouter ce soir, qui viennent avec ce qu'ils savent faire, ce qu'ils créent, et aussi ce à quoi ils croient. Grâce aux élus de Bobigny, il faut que j'excuse la maire de Bobigny, Catherine Pêche, qui n'est pas là, mais je voudrais juste dire qu'à l'Aigle de Rwanda, on n'a jamais marché dans le touche pourri. Voilà. D'ailleurs, nous savons qu'il y a très longtemps, dans les années noires, il y avait le Conseil de la Résistance, toutes les forces politiques n'étaient pas au même endroit. Et puis, au temps de la torture en Algérie, il y avait ceux qui se battaient contre cette abomination, ceux qui se sont fait coincer contre les grilles du métro Charonne il y a un certain nombre d'années. Et il y a encore aujourd'hui des gens qui se battent, qui ne se supportent pas, qui s'indignent, comme on dit, mais qui ne se contentent pas de s'indigner, qui agissent en conséquence. Et il se trouve qu'ici, à Bobigny, l'équipe qui s'occupe de cette ville fait partie de ces gens-là, et donc on les remercie non seulement pour cette salle, mais aussi pour ce que nous partageons avec eux. Et grâce à eux, grâce à vous, tous qui êtes là, on peut faire en effet un peu la fête des libertés. On n'est pas très nombreux, mais on est, je crois, assez convaincus pour le faire quand même. Simplement, et je ne vais pas être plus long, on va dire que rien ne nous condamne à baisser la tête. Rien ne nous condamne à attendre le prochain coup de massue sur nos espoirs, sur nos idées, sur notre envie de vivre mieux, de vivre mieux et de respirer mieux peut-être. Voilà, liberté, égalité, je devais commencer comme ça, liberté, égalité, respect et dignité pour tous. On va dire que si nous le voulons vraiment, c'est possible. J'aurais pu être beaucoup plus court, j'aurais peut-être été reconnaissant si j'avais été plus court,
me semble que tout ça tenait en deux mots. Chiche, ensemble.